Stunka est un fabricant de véhicules français qui propose des véhicules un peu atypiques. Ce sont les Stunka e-Spider. Donc on a la version monoplace qui est derrière. Nous avons une version tandem deux places. Donc ce sont des véhicules électriques tout terrain. Alors, Swing Car, on a choisi de rouler avec ce type d'engin parce que c'est vraiment un engin innovant. C'est vraiment innovant au sens du terme. D'abord parce que c'est vertueux pour la nature, c'est électrique. Et puis c'est innovant dans son approche. Déjà, d'entrée, c'est une machine qui est fabuleuse. Donc ça, il faut garder ça en tête. En fait, pourquoi c'est assez fabuleux? Parce que cette machine, hormis le fait qu'elle soit électrique, que ça aujourd'hui c'est quand même un élément important, c'est parce qu'elle a un système pendulaire qui lui permet en fait de ne jamais se trouver dans des positions critiques pour les utilisateurs et de toujours être droite. Donc en fait cette machine peut être conduite par tout le monde dès qu'on a le permis, même sur des âges avancés et surtout on va dire sur les gens qui ont le plus de problèmes et qui la conduisent très facilement, c'est par exemple les PMR, des paraplégiques sans aucun problème, des gens avec des petites hémiplégies peuvent conduire cette machine. Du coup, elle permet à tout le monde de pouvoir randonner avec. Donc le Swing Car peut se conduire à partir de 14 ans avec, on a du mono une place ou du tandem deux places. Et niveau du Swing Car, je vous garantis que c'est une machine qui est extraordinaire. Vous n'avez pas d'entretien, c'est simple comme tout. Vous êtes tranquille pour le niveau des charges, juste à brancher, vous attendez 2 heures et vous êtes tranquille. Un petit coup de nettoyage, le jet suffit. Je vous garantis que c'est une machine qui est vraiment au top. Puisque la machine, et ça aussi c'est très important, est homologuée aujourd'hui et peut donc aller sur la route. Ses capacités de vitesse sont environ 25 à 30 km/h. Par contre, ses vraies capacités, c'est dans les chemins. C'est là où on sent toute la qualité du véhicule. Et quand on est dessus, on a les sensations qu'on n'a pas pu vivre avec un autre engin, qu'on ait fait du quad, du karting ou n'importe quel autre sport mécanique. On n'a pas la même sensation.